Koué, bonjour. Bienvenue à tous et toutes à cette importante annonce. Alors, je m'appelle Éric Cardinal et je suis très honoré d'être votre maître de cérémonie pour cette annonce et cérémonie. Alors, je vous explique le déroulement. Nous allons d'abord commencer par la purification par l'aîné Marcel Petitcoué. Donc, on sent déjà sa présence. Et par la suite, il va venir au micro faire une prière d'ouverture. Par la suite, les allocutions, commençant par le grand chef de la Nation Atikamekw, M. Constant Ouachiche, suivi de la ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de vie, Mme Lucie Charlebois, suivi du ministre responsable des Affaires autochtones, M. Jeffrey Kelly, suivi de la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de la Violette, Mme Julie Boulay, qui sera également accompagnée du maire de Latuc, M. Pierre-David Tremblay. Suivra le chef de la communauté de Manawan, M. Jean-Roch Ottawa, suivi du chef de la communauté de Wemontachi, M. François Niachit. Par la suite, un mot du chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, M. Ghislain Picard, et un mot du directeur général régional Services autochtones Canada, M. Luc Dumont. Par la suite, il y aura période de questions pour les médias. Après la période de questions, nous passerons à la signature officielle de l'entente, donc il y aura prise de photo officielle. Par la suite, chant, tambour et danse, avec la troupe Norton Voice de Wemontachi et le danseur de Manawan, David Moore. Alors maintenant, j'inviterai l'aîné Marcel Petitcoué à venir faire la prière d'ouverture. Je demanderai à tout le monde de se lever. Merci. Koué. J'ai déjà fait la purification des objets qui sont sur la table, ainsi que le wampum dont je suis le gardien. Il y a quelques 25 ans, ça m'aurait pris peut-être 3-4 bières pour pouvoir parler en avant. Sinon, ma mâchoire aurait tombé à terre. Parce que ça va faire bientôt 25 ans que j'ai arrêté de consommer l'alcool et la drogue. Le 31 mai, ça va faire 31 janvier, ça va faire 25 ans. Fait que c'est un honneur pour moi comme faire d'avoir été invité pour faire les prières. Parce que c'est un grand jour pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Miigwech Jemando. Miigwech Mando. Muhegem kanigishke dadnanuk pendar muzgadeg kizem rugi ziga jen nizanishnanuk kriga nos simnanuk kriga nagoy tonos sunanuk kizem rushi ginehen kizem rushka gizi gineri washig ane hegem zanon zanuk kizem rugi ziga jen adikmego washig em kuer migi gnos washig Wabno Kahindabian. Kizimurugizig washik, Kahiben Togizig, Kegeben Togizig. Mkwermigriga, Skog, Shawno Kahindabian. Emildazig Madzunu, Emildazig Nibiru. Emildazigriga Skog, Saginu. Můžeme tak říct, že mi byli kde zajímají na kde nám nak, když kde když kde nové šlo hájí rukou kaksky. Mím kouř má, když kde kde někde má zase šáno ke hindabian, nekábe ono ke hindabian. Když ve vidí kde bude štěm, když je penda, vidí se to kouře, když někde do skanok. Když zamrobrýk můžeme
Miigwech est né Marcel Petitcoué. Alors, nous avons beaucoup de personnes ici présentes. Merci beaucoup. Nous avons également beaucoup de personnes qui regardent cette cérémonie directement en ligne sur la page Facebook du Conseil de la Nation Atikamekw. Donc, nous les saluons toutes et tous. J'inviterai maintenant le grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw, M. Constant Awashish, au lutrin. Que Jim Hako a dit à Kini Janishno. Comme Kinaoga qui a Jinago Dananik et qui ben a Najib Hajik, Stenibra Washak. Eh, wesh que les passants à Kijin Kajgadek, Nashkashkun, eh, protection de la jeunesse qui a Aitutkik. Qui a Rimzinano, qui nous a. Quero me taguzinar no gué. Esse dia nos anota. Pedos que chama de anano. Esse me gado dao. Em tchugjis, mesen higo mgok. Que bega naptak, que bega idet, que bende uitak. Tande que chama de aco. Agun hanot. Nehemis Negan comes no Zuko. I wouldn't aid them a gook. Magic the Dow, Hala de PG. I said the Kameko, get them hitzo, get them hell, only Janisha. I go Janhe. Number 10. Madabwe no gun. Manwe Watren. He's not going to be a man. I start chibin my one adamic in the ik a pitcher is a great one, Hemeretoman. Bonjour tout le monde. Madame la ministre Julie Charlebois, Madame la ministre Julie Boulay, chef Ottawa, chef Neachit, Monsieur le maire, Monsieur de Tremblay, Monsieur Ghislain Picard, chef de la PNQL. Monsieur Dumont, représentant du gouvernement fédéral. Et distingués invités,
Merci de nous honorer par votre présence aujourd'hui. C'est un grand jour pour la nation Atikamekw. C'est un jour historique. C'est un jour qui va que la nation Atikamekw n'oubliera jamais. Pour bien comprendre, on connaît l'histoire. On connaît qu'est-ce que les Autochtones ont subi. On connaît par où ils ont passé. Parfois, avec de mauvaises intentions. Parfois, avec des bonnes intentions. Mais on a passé par là. On est toujours là. On a survécu, particulièrement les Atikamekw. On a su garder notre langue très forte, parmi les meilleures. On a su conserver notre culture. On a su conserver nos savoir-faire. On a su conserver nos particularités. C'est ce que, aujourd'hui, cette cérémonie va nous apporter. La pérennité de notre particularité. C'est ce qui était recherché depuis plusieurs années. Donc, c'est avec une grande satisfaction et beaucoup de joie que je suis ici devant vous aujourd'hui. Grâce à cette entente historique que nous annonçons aujourd'hui, les Atikamekw sont en marche vers un avenir meilleur pour nos enfants, nos familles, nos communautés. Cette entente nous permet d'établir un régime particulier de protection de la jeunesse dans le respect de nos réalités, dans le respect de nos valeurs et, plus important, dans le respect de nos traditions. Concrètement, ce que ça signifie, c'est que les enfants Atikamekw ne relèveront plus entièrement de la responsabilité du directeur de la protection de la jeunesse, communément appelé la DPJ. Elle relèvera maintenant du directeur de la protection sociale Atikamekw, et non plus celle de la DPJ, comme j'ai dit tantôt. Cette entente est le fruit du travail de plusieurs années de bataille, de pourparlers, de négociations. Depuis des décennies, les Atikamekw ont souhaité qu'on reconnaisse leur capacité, leur volonté à prendre en charge la protection de leur jeunesse. Ça n'a pas été facile. Ça a pris plusieurs années, pour plusieurs raisons. Mais la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, on est là. C'est qu'aujourd'hui, il y a encore les Atikamekw. Des Atikamekw avec une culture très forte. Et nous sommes ici aujourd'hui. Il ne faut pas oublier de saluer le courage, la détermination de toutes les personnes qui ont travaillé sur le dossier. Des gens qui ont mené une bataille depuis plusieurs années. Entre autres, les directeurs des services sociaux qui se sont succédés, les politiciens qui se sont succédés, les gens dans nos communautés qui ont cru à cette démarche. Je ne veux pas nommer des noms parce que je risque d'en oublier beaucoup, parce que ça fait quand même depuis 1997 que la Nation Atikamekw travaille pour ça. Il y a beaucoup de gens qui ont mis la main à la pâte. Mais j'aimerais remercier tout le monde, tous et chacun, dans nos communautés, tous ceux, puis j'en suis sûr, ils se reconnaissent tous. Aujourd'hui, à mon nom personnel et au nom de la jeunesse Atikamekw, on vous remercie tous. Grâce à leur vision et leur volonté, nous allons pouvoir maintenant assumer pleinement notre responsabilité à l'égard de la protection de nos jeunes, dans un contexte de respect des traditions et de notre mode de vie. Je tiens aussi à remercier le gouvernement du Québec et tous les fonctionnaires, il ne faut pas oublier les fonctionnaires, qui ont permis la concrétisation de cette entente. Pour notre nation qui aspire à une pleine autonomie, cette entente représente une étape fondamentale vers nos aspirations. La semaine dernière, pour ceux qui sont à l'affût des nouvelles,
la ministre fédérale des services aux Autochtones, Jane Philpott, a convoqué une réunion d'urgence sur les services à l'enfance. Elle a qualifié de crise humanitaire les placements d'enfants autochtones à l'extérieur des communautés. En quelque sorte, on est les pionniers, on trace la voie actuellement. La nation Atikamekw trace la voie pour les autres nations, pour les autres communautés. À travers le Canada, à travers le Québec, c'est une problématique. Les Autochtones, les enfants autochtones, trop souvent, se font enlever de leur famille, se font enlever de leur communauté, et on les amène dans des milieux qui ne se reconnaissent pas, dans lesquels ils ne se reconnaissent pas. Ça met en danger notre culture, ça met en danger nos langues, mais ça met en danger encore plus l'identité de cet enfant-là. Ça met en danger son amour de soi, de soi-même. C'est ce que ça créait pendant plusieurs années. Chez les Atikamekw, heureusement, avec la collaboration du gouvernement, mais on est rendu à une autre étape. On va pouvoir s'occuper de nos enfants. On va pouvoir préserver leur identité, leur intégrité. On va pouvoir travailler avec leur fierté, s'assurer qu'ils se connaissent pleinement, qu'ils connaissent leur culture, puis qu'ils continuent à partager leur langue avec les autres. Aujourd'hui, on offre une solution. Assurer un réel partage de pouvoir d'égal à égal entre les niveaux fédéral, provincial et Premières Nations. Il faut revoir le système afin de faire place à la famille élargie et à la communauté. Pour éviter que des enfants soient brutalement coupés du monde dans lequel ils ont grandi et leur permettent de maintenir dans les liens familiaux. C'est ce que je mentionnais tantôt. Nos communautés sont de grandes familles. Nous aimons nos enfants et nous voulons le meilleur pour chacun d'entre eux. Au-delà des discours qu'on peut faire, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est un moment qui marque la nation Atikamekw. C'est un moment qui passe à l'histoire. Après 500 ans, où est-ce qu'on nous a enlevé notre façon de penser, qu'on a tenté d'enlever notre façon de penser, qu'on nous a enlevé beaucoup de notre identité à travers beaucoup de manigances positives, négatives. Mais aujourd'hui, la nation Atikamekw fait un pas en avant et on va pouvoir exercer pleinement notre autonomie au niveau de la protection de la jeunesse. Pour moi, ça signifie beaucoup. Si je ne me contrôlerais pas, je sauterais par 6 pieds dans les airs. Quand on regarde tout ce qui s'est fait, quand on regarde toute l'histoire, c'est incroyable. On est rendu là. Wow! Ça me touche vraiment beaucoup qu'on s'est rendu à cette étape-là. Ça, c'est une étape parmi tant d'autres qui s'en viennent. On recherche l'autonomie gouvernementale, on recherche dans plusieurs domaines, mais aujourd'hui, les gouvernements ont fait preuve d'ouverture et on arrive avec cette entente qui est juste positive pour nos jeunes. Parce qu'il faut comprendre également que chez les Nations Atikamekw, nos jeunes, c'est la prunelle de nos yeux, c'est nos joyaux. Je le sais, pendant, c'est pas facile. À l'occasion, on connaît qu'est-ce qui se passe dans nos communautés, on connaît le manque de services, on connaît le sous-financement. Mais aujourd'hui, il y a une grosse lumière au bout du tunnel qui vient d'apparaître et faut en profiter. Faut le clamer haut et fort et faut en parler. Puis à chacun d'entre vous, Je suis un peu plus de temps.
Merci. Merci à tous. En terminant, nos enfants sont notre avenir. La protection de nos enfants, c'est de notre responsabilité. On a toujours pensé comme ça. Des centaines d'années qu'on a cru que c'est à nous de s'occuper de nos enfants, c'est à nous de les éduquer, c'est à nous de les protéger, c'est à nous de les élever, c'est à nous de corriger les erreurs de parcours pendant qu'ils grandissent. Puis aujourd'hui, c'est un jour que j'oublierai jamais. 29 janvier 2018, la Nation Atikamekw signe une entente pour la protection de la jeunesse. C'est un pas en avant, c'est un pas vers l'autonomie de la Nation Atikamekw. Merci à tous. J'inviterai maintenant au lutrin la ministre Lucie Charlebois. Alors, M. Constant Ouachiche, grand chef de la Nation Atikamekw, M. Jean-Roch Ottawa, chef de la communauté de Manawan, M. François Nishit, chef de la communauté de Wimotashi, M. Christian Awashish, chef de la communauté d'Optisiwan, M. Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations et du Québec et du Labrador. Je veux aussi saluer mes collègues Jeff Kelly, ministre responsable des Affaires autochtones et député Jacques Cartier, ma collègue Julie Boulay, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de la Violette. C'est un plaisir d'être chez toi, Julie. Je veux aussi saluer le maire de Latuc, M. Pierre-David Tremblay. Où êtes-vous? Ah, vous êtes là. Merci d'être là. Et je veux saluer aussi M. Luc Dumont, directeur général régional Région du Québec, Service aux Autochtones Canada du gouvernement. Merci d'être là aussi. Alors, oui. Je suis très privilégiée d'être ici aujourd'hui pour cette belle annonce. Je me sens très, très, très privilégiée d'être la ministre responsable de la protection de la jeunesse, mais surtout très privilégiée d'être avec vous pour célébrer ce moment-là. Je le sais que ça fait longtemps que vous l'attendiez. Et je sors de mon texte tout de suite, ça commence mal, hein? Étant une mère, mais une grand-mère de 8 petits-enfants, je sais combien vous devez avoir à cœur votre relève, vos enfants. C'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, je suis très, très, très heureuse d'être avec vous pour signer cette entente-là. C'est vraiment une journée historique. C'est une journée super importante pour la population d'ici. Alors, je veux remercier les représentants du Conseil de la Nation Atikamekw pour votre accueil et vous dire que c'est vraiment, encore une fois, un bonheur d'être réunis pour procéder à la signature du projet d'entente entre le Conseil de la Nation Atikamekw et le gouvernement du Québec qui vise à établir un régime particulier de protection de la jeunesse. Cette entente-là vise deux communautés, soit celle de Manawan et celle de Wimotashi. Il m'apparaît important de souligner qu'il s'agit de la toute première nation autochtone à avoir entrepris des négociations dans ce sens au Québec. Mais je suis particulièrement fière que ce soit au Québec parce que dans l'ensemble du Canada, c'est la première fois qu'on voit une entente du genre. Et je pense que vous saurez inspirer plusieurs communautés. L'entente qu'on signe aujourd'hui, c'est une première qui va vous permettre d'avoir une plus grande autonomie aux communautés de Manawan et Wimotashi en matière de protection de la jeunesse. En pleine autorité,
en toute indépendance. Les responsables du directeur de la protection de la jeunesse, qu'on appelle les DPJ, et du directeur provincial seront confiés, toutes les responsabilités vont être confiées à des personnes ou à des instances autochtones. C'est pas peu dire. Pour vous autres, je le sais que c'est beaucoup, je comprends pourquoi. Au fil des ans, force est de constater que le Conseil de la Nation Atikamekw a démontré sa capacité à assurer pleinement ses pleines responsabilités. Cette entente prévoit des modalités d'exercice de ses responsabilités différentes que celles prévues dans la loi sur la protection de la jeunesse, afin de prendre en considération les valeurs, la culture et le mode de vie de votre population. Je tiens à souligner que même dans le cadre d'une telle entente, le ministère de la Santé et Services sociaux va demeurer responsable de l'application de la loi sur la protection de la jeunesse, mais l'entente prévoit la mise en place d'un comité de suivi. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire de l'ingérence. On s'est entendu là-dessus comment ça allait se développer. Et ce comité de suivi va avoir notamment pour mandat de s'assurer que la mise en œuvre de l'entente soit évaluée périodiquement. Tout ça pour venir en aide à qui? Aux enfants. Pas plus que ça. C'est les enfants qui sont au cœur de cette entente-là. C'est toujours ça qu'il faut garder en tête. Bref, il s'agit d'une entente qui est bénéfique pour tous, et qui va contribuer à la protection des enfants et des jeunes, mais aussi à celle de leur milieu de vie, dans le respect de leur culture et de leurs valeurs. Cette initiative va permettre aux jeunes Atikamekw de continuer à recevoir une offre de services adaptée à leurs besoins, ce qui est cohérent avec notre vision gouvernementale. La signature officielle de cette première entente du genre au Québec est donc une très bonne nouvelle pour nous tous au Québec. Soyez assurés que le gouvernement déploiera des efforts soutenus pour assurer le suivi de la mise en œuvre de cette entente. Nous allons prendre tous les moyens pour que tout fonctionne bien pour l'ensemble de la population. La protection et la sécurité des enfants et des jeunes est un enjeu sensible qui nous interpelle tous. Nous avons la responsabilité collective de fournir aux jeunes, notamment les plus vulnérables, les outils et un cadre de vie qui vont faciliter leur intégration dans la société. Et comme l'a dit notre chef tantôt, ce n'est pas en la déracinant, ce n'est pas en faisant en sorte que les jeunes ne se retrouvent plus nulle part, ni avec l'autre population, ni avec les Autochtones, parce qu'un enfant qui est déraciné perd sa racine, il perd ses repères, il perd toute son identité, mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'il perd foi en lui-même. C'est ce qu'on ne veut pas au Québec, et c'est pour ça qu'on a une entente comme on a aujourd'hui. Et je suis très, très fière parce qu'on a besoin de ces jeunes-là. On a besoin de leur talent. On a besoin de leur dynamisme. Et il faut tout faire pour qu'ils puissent s'accomplir et devenir des jeunes adultes épanouis. Alors, notre souhait, c'est de mieux répondre aux besoins de ces jeunes-là, de répondre bien à leurs besoins réels et faire en sorte que tous ces jeunes-là puissent évoluer comme n'importe qui dans la société et trouver sa place. Tout ce qu'il faut retenir aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est une belle avancée pour votre communauté, mais c'est une belle avancée pour le Québec, parce que vous faites partie de notre identité, et pour nous, vous êtes important. Et merci d'avoir fait en sorte, je veux remercier tout le monde qui a collaboré à élaborer cette entente. Je sais que le chemin n'a pas toujours été facile, ça a été long, il y a eu des modifications à la loi, il y a eu des intervenants qui ont changé, il y a eu le financement qu'il a fallu questionner, il y a eu plein de facteurs. Mais vous avez été tenace, vous n'avez jamais perdu espoir, et c'est vos jeunes qui vont en profiter. Merci à tous. Souvenons-nous, on fait ça pour qui? Pour les jeunes. Merci, bonne journée. Merci, Mme Charlebois. J'inviterai maintenant au lutrin le ministre Jeffrey Kelly. Merci beaucoup, Kwe. Je pense que tout le monde a fait la longue liste des titres, alors je vais être un petit peu plus informel. Constant, Jean-Roch, François, merci beaucoup pour l'accueil chez vous. Gisèle Picard de l'Assemblée des Premières Nations, également mes collègues Julie et Lucie, on est appelés à travailler souvent ensemble. Un mot de bienvenue au maire que je viens de rencontrer, M. Tremblay. Luc Dumont, le gouvernement fédéral, toujours un plaisir de vous voir. Je vais signaler aussi la présence de Christine Jean de la Centre d'amitié autochtone ici à La Tuque, qui fait un travail formidable. Moi aussi, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui parce que je pense, si on peut résumer ça, on passe d'une volonté
à l'action. Parce qu'on a parlé souvent de l'autonomie, on a parlé de la prise en charge, on a parlé de ces grands principes, mais de l'actualiser, le comment le faire n'est pas toujours évident. Mais avant d'expliquer ça davantage, je pense qu'il y a trois constats que je répète souvent, qui sont tellement importants, notamment pour la population non autochtone du Québec. La première chose, c'est la jeunesse de nos communautés autochtones au Québec. On oublie à quel point ces communautés sont jeunes. Le nombre d'enfants qui sont dans les communautés, c'est environ la moitié en bas de 30 ans, peut-être en bas de 25 ans. Alors, la jeunesse est tellement importante. La jeunesse, comme Constant l'a dit, c'est l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On vise l'avenir et je pense qu'il y a un grand défi pour les leaders des Premières Nations, pour l'ensemble de la société québécoise, pour le gouvernement du Québec. On a un rendez-vous important avec cette jeune génération. Si on peut mettre en place qu'est-ce qu'il faut au niveau de la formation, au niveau de l'identité, avec une certaine sécurité culturelle, on peut préparer un avenir qui est très important pour ces enfants. Mais si on manque le rendez-vous, on va être condamné de notre génération avec les difficultés et les défis qu'on connaît déjà. Le premier constat, nos communautés autochtones au Québec sont très jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui va au centre des défis pour l'avenir, pour l'ensemble de notre société. Deuxièmement, et ça a l'air évident, mais il faut toujours le répéter, il faut changer la donne, il faut changer le système. Il n'y a personne qui va défendre le statu quo. Madame Charlebois a évoqué son expérience à Ottawa la semaine passée. J'ai parlé à Ghislain Picard aussi brièvement. Le constat dans les autres provinces est très, très lamentable. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour ça. Alors, il faut changer nos façons de faire. On a nommé la commission Vient comme gouvernement du Québec qui est en train de recueillir les témoignages à travers le Québec. Et souvent, c'est la question de la protection de la jeunesse qui est soulevée devant cette commission. Alors, je peux attendre. Il y aura des recommandations très importantes de la commission Vient. Alors, deuxième constat, il faut changer. Il faut changer nos façons de faire. Et comme Constant a vraiment indiqué l'importance de l'autonomie, il faut passer à l'autonomie. Qui est mieux placé au niveau d'assurer un climat, un lieu culturellement sécurisant, avec un lien avec la culture, l'identité et la langue à Tikamek, que le leader ici. Alors, ça, c'est les trois constats. Et je dis souvent, ça a l'air facile parce qu'on partage les mêmes objectifs. On veut le bien-être des enfants. Personne n'est contre le bien-être des enfants. Personne n'est contre la sécurité des enfants. Personne n'est contre leur protection, leur identité et s'assurer que leur identité est souvent assurée. Alors, les objectifs sont partagés, je suis certain, par tout le monde dans la salle. Mais souvent, c'est le comment qui est difficile. Comment est-ce qu'on peut arriver? Et c'est pourquoi je veux souligner les expériences du Conseil de la Nation Atikamekw. Ce n'est pas une expérience qui a commencé hier, il y a 20 ans déjà. Il y a des projets pilotes, il y avait d'autres expériences qui ont été essayées pour en arriver aujourd'hui à ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, ce n'est pas une partir à zéro cet après-midi, mais c'est plutôt une expérience que nous avons déjà commencée. On va miser sur de solide, mais c'est vraiment une étape très importante parce que c'est le transfert des responsabilités, l'imputabilité pour la protection des enfants à Tikamekw au Conseil de la Nation Atikamekw et aux communautés de Manawan et Wemontachi. Alors, c'est vraiment un grand moment. Je suis très, très fier aussi de poser ma signature sur le document qu'on va signer à l'instant, parce que c'est vraiment un grand pas en avant au niveau de l'autonomie pour la Nation Atikamekw. Et comme ma collègue Lucie a dit avec beaucoup de brio, c'est pour les enfants, parce qu'on a tous à cœur. Moi aussi, je suis grand-parent, moins performant que Lucie, je n'ai que 3 petits-enfants et 3 quarts, bientôt 4, alors, mais je suis perdant dans la course pour le moment. Mais en terminant, je pense que c'est très important de donner les remerciements, premièrement, au leadership de la Nation Atikamekw, le CNA, les deux communautés en question. Merci beaucoup, parce que c'est vraiment avant tout votre leadership, votre expérience qui nous permet de mettre ça en place. Je veux toujours, j'ai une collègue très tenace, Mme Boulay, qui est la défendresse de la question Atikamekw à Québec. À toutes les semaines, Julie vient me voir, poliment, mais fermement, pour me rappeler l'importance des dossiers qui touchent la Nation Atikamekw. Alors, Julie, toujours très agréable de travailler ensemble, et
J'ai même réussi une fois d'avoir fait danser Julie en powwow à Wimontashi. Alors, c'est la preuve que le tout est possible. Lucie, on travaille souvent ensemble et merci beaucoup pour votre dévouement et avec Ghislain, le travail accompli sur le projet de loi 99, qui est une loi qui a fait les changements dans la loi sur la protection de la jeunesse, qui est vraiment très important. La collaboration de l'Assemblée de détermination, également de la CNA pour ce projet de loi, également le projet de loi sur l'adoption coutumière que Mme Vallée a adopté. On fait le grand pas en avant pour mieux, le mieux-être de nos enfants autochtones au Québec. Alors, bravo pour votre travail, Lucie. Également, nous avons mentionné les personnes de le ministère de la Santé, le CIS de la région, la protection de la jeunesse, le TPJ. Merci beaucoup pour votre ouverture, parce que c'est ça que ça prend. C'est beaucoup plus facile, mur à mur, one size fits all, mais ici, on est dans un comment faire les choses autrement. C'est toujours plus difficile. C'est plus facile de toujours utiliser la même recette, mais d'avoir la reconnaissance qu'il faut changer la donne. Ça prend un certain courage, ça prend le travail. Alors, merci beaucoup pour votre ouverture. Et comme Lucie, moi, j'espère que l'entente aujourd'hui va faire ses petits. Il y a d'autres communautés, il y a d'autres nations qui regardent ça. Lucie et moi étaient à Lac-Simon avant Noël, il y avait un intérêt. J'étais à Koudjouak la semaine passée avec les Inuits. Alors, je pense que notre entente aujourd'hui, beaucoup de monde veut le regarder. J'espère qu'ils vont l'imiter, on va travailler ensemble. Mais merci encore, en terminant encore, à la Nation Atikamekw pour leur leadership dans ce dossier. Miigwech. Merci, M. Kelly. J'inviterai maintenant au lutrin la ministre Julie Boulay, accompagnée du maire de Latuc, M. Tremblay. Alors, bonjour tout le monde. Alors, Pierre-David et moi, on va essayer de partager le temps à deux. Fait qu'il faut qu'il ne parle pas trop longtemps, parce que d'habitude, il parle beaucoup. Alors… Il va parler encore beaucoup. Alors, évidemment, je voudrais saluer mes collègues Lucie et Jeff, Constant, Jean-Roch, M. Ottawa, M. Néachit, les chefs, M. Ghislain Picard également, chef de l'Assemblée des Premières Nations, M. Dumont. Évidemment, M. le maire qui est avec nous, il y a une conseillère, Caroline, qui est ici avec nous. Salut M. Beaumont, alors le directeur du CIUS de la Mauricie-Centre du Québec, M. Castonguay également. Vous savez, le CIUS et le CIS, parce qu'on a un CIUS et un CIS, c'est bien ça. Alors, ces gens-là vont être mis, et leurs équipes, vont être mis à contribution, parce qu'on aura un comité de suivi, un comité de transition. Alors, tout ça ne se fera pas du jour au lendemain, donc il y aura de l'accompagnement. Alors, les CIUS et le CIS vont être mis à contribution. Alors, merci, vous êtes des partenaires de premier niveau. Alors, ça va être significatif et déterminant dans la réussite de ces projets-là. Alors, on apprécie grandement votre implication. Écoutez, moi, je voudrais dire tout simplement, quand on parle de jeunesse, et Jeff l'a dit tout à l'heure, le mot « jeunesse » prend tout son sens quand on fait le parallèle avec les communautés autochtones. Alors, Jeff et moi, on est allés inaugurer une école il y a 2 ans, Jeff, à Wimontashi. Et déjà, quand on a inauguré l'école, on nous a dit, d'ici 5 ans, cette école-là va être trop petite. Il va manquer d'espace, il va manquer de place pour accueillir les enfants de la communauté. Alors, vous dire à quel point c'est important, et des fois, on vous envie, parce qu'on aimerait ça que les Québécois soient aussi productifs. Alors, je pense que ça serait bon pour les pénuries de main-d'œuvre, on serait intéressés. Alors, vous dire qu'à quel point la jeunesse prend tout son sens dans la communauté autochtone. Alors, aujourd'hui, ce qu'on vient porter comme gouvernement, c'est un message, c'est un transfert de responsabilité, c'est de l'autonomie dans les interventions. Mais d'abord et avant tout, c'est un message très important qu'on reconnaît votre expertise et votre capacité d'intervention dans les dossiers de la jeunesse. Alors, c'est très important. Et quand Constant nous disait que l'identité, oui, elle est importante, votre identité, Constant, on la reconnaît, mais elle est importante pour vous, mais elle est importante aussi pour le gouvernement du Québec. Alors, l'identité autochtone, l'identité des Atikamekw, elle est importante également pour nous. Alors, on est très heureux aujourd'hui d'être ici pour s'associer à cette très belle nouvelle qui sera assurément porteuse d'excellents résultats pour la jeunesse atikamekw. Alors, merci à mes collègues, merci à Jeff, qui a toujours une écoute exceptionnelle. Vous savez, les dossiers, ce n'est pas toujours facile. Il faut être tenace, il faut être déterminé. Alors, des fois, Jeff, il a droit à mes messages que je reviens à répétition. Mais merci, parce que vous savez, Jeff, c'est un excellent ministre des Affaires autochtones. Je pense que tout le monde le reconnaît au Québec. Il est toujours une écoute très attentive. Il est toujours au-devant pour trouver des solutions.
et pour s'assurer du mieux-être des communautés. Alors, merci pour ton implication, pour ton dévouement, Jeff. Merci d'y croire de cette façon-là, parce que c'est à ton image, mais c'est le reflet que les Autochtones également, je pense qu'ils reconnaissent le travail que tu fais pour eux. Alors, merci et bonne journée. Alors, bienvenue à tous. C'est de la belle visite aujourd'hui. On a 4 chefs. Alors, c'est important. On a 3 ministres, plus aussi un responsable du gouvernement fédéral, bien sûr. M. Duncan, j'ai bien vu. Alors, M. Beaumont, également, j'ai ma conseillère, Mme Caroline Bérubé, qui m'accompagne aujourd'hui et qui est aussi, au niveau de Ville de la Tuque, la responsable des familles et, bien sûr, de l'enfance. Alors, vous savez, la communauté Atikamekw, chez nous, c'est 30% de notre population. Alors, je pense que c'est important. Et aujourd'hui, on voulait partager ce moment-là avec vous, bien sûr, ce moment de prise en charge avec l'entente au niveau des familles, mais aussi des enfants. Les gens ont parler comment ça pouvait être important, la richesse des enfants. Et je pense qu'on voulait partager avec vous autres cette annonce-là. Je pense que c'est très, très important. Alors, on vous souhaite la meilleure des chances. Je vais être court. Je sais que ça sera suivi, mais on aura sûrement d'autres discussions. Et Ville de la Tuque, encore une fois, salue le travail de tous les intervenants dans ce dossier-là. On sait que ce n'est pas toujours évident, le travail, les différents gouvernements, mais ça avance. C'est des choses, je pense, qui se construisent au fur et à mesure. Et on est content aussi de partager ce moment-là à la TUC. On sait que c'est une première et ça fera peut-être des fruits, bien sûr, ailleurs. Donc, je me joins à tous vous autres pour saluer ce travail et je vous dis bonne chance dans cette continuité. Merci. Merci, Julie. Merci, Monsieur le maire, Madame Boulay, merci beaucoup. Alors, j'inviterai maintenant le chef de Manawan, Monsieur Jean-Roch Ottawa. Kwekiskina, Atikimekuniorizukudayama, Kabe, Stabemtia, Deuke, Pejek. Darım kad noksikina kidigandut kik mizinaste tignishik darım kognirgandut kik adikmeguk kiskina nimirerten otsama epejanda eomagik kagizadzidik kukumenok kimushumnok ependandut kik eurolerunuts eama kakidano Kirano, qui bi madzino et jnagok, avec des mien moines et sundanisha, Arman hemidui, Arman he, unique hu kem muteta dignero. Unodzoega pe, te diego da la tuke pe modin dueco. Ajunot, nogon, udemiruin, a kini brama diega bueco, a kibe udemir dico da lanik. Ajik da muzon hodzun anon hita duin muzon higin. Ajik nibragi madiega buin anon da. Mujik ekibar mudmek
kiranok dimin doeko kiranok dimin eko kinzanishnok momoroshin un herwe kishkno moyne tojish udenak dendam deshik hainit onodzen hegabe todmek kichigeshgo ti kuchinda dikmek neorizukskina kirigan hero kishogye moyor ne piabit epe etawertek nero etawertek adikmek neorizu esnawen kubiamad zin pidosh kedzo yorogob zidik engunen heonotskama etu dabe modin dueko isdamileten epe mtiedieko. Bonjour. Bonjour à tous, Madame Charlevoix, Madame Julie Boulay, Jeffrey, Théo Guimau, François, Ghislain et Monsieur Dumont aussi. Salut aussi le maire de La Tuque, Monsieur Pierre-David Tremblay. Madame, Messieurs, distingués invités, c'est un moment très important aujourd'hui et grandement attendu. Depuis une trentaine d'années, nous défendons notre droit à appliquer nos pratiques coutumières en matière de protection de la jeunesse atikamekw. Nous avions pris l'initiative de mettre en place un système qui nous ressemble, le système d'intervention d'autorité atikamekw, qui a fait ses preuves en faisant en sorte que les mesures appliquées maintenant en milieu autochtone, la majorité des enfants concernés. Aujourd'hui, je suis fier de participer à la signature de l'entente qui établit un régime particulier de protection de la jeunesse pour la population de Manouane et de Wimantashi. Mes premiers mots s'adressent aux personnes qui ont travaillé sans relâche pour faire avancer le dossier avec tout le sérieux et la patience nécessaires. Je tiens également à souligner que l'aboutissement d'aujourd'hui est aussi le fruit du travail de personnes qui sont malheureusement décédées. Entre-temps, ils ont cru et on doit souligner la persévérance de leurs efforts. À chacun de ces personnes, je dis sincèrement, vous avez toute notre reconnaissance. Cette entente historique que j'ai l'honneur de signer aujourd'hui au nom de la population de Manouane que je représente, c'est une entente qui reconnaît enfin nos particularités lorsqu'il est question de l'intérêt de nos enfants. Ils sont nombreux. Ils sont beaux, pleins de promesses. Le meilleur de nous-mêmes et assurer leur bien-être dans le respect de leurs propres droits et dans la continuité de leur propre culture. Cette entente vient mettre un peu de baume sur certains paternalismes passés. Et je donne le mérite actuel, et je donne le mérite à l'actuel gouvernement québécois qui a apporté les amendements nécessaires pour reconnaître et faire confiance à nos pratiques coutumières dans un esprit de coopération. Merci. Les enfants atikamekw de Manouane auxquels s'appliquera cette nouvelle entente bénéficieront dorénavant de mesures de protection correspondant à nos valeurs dans une approche holistique visant le bien-être global. Ils verront se pencher sur leur situation individuelle des membres sélectionnés pour faire partie de conseils de famille, conseils de sages et cercles d'aidants. Nous amorçons ensemble une période de transition et de changement apportée par cette entente. Se feront bientôt sentir au quotidien dans de nombreuses situations familiales et pour longtemps, grâce à nos propres institutions et instances. Je parle ici de
du centre d'expertise Marie-Vincent, les camps familiaux en territoire, l'implantation de services à Joliette, qui est le foyer Mamoudou. Pour la nation Atikamekw et surtout pour Manouane, ces changements s'inscrivent en toute logique sur le chemin de notre autonomie gouvernementale, dans les champs de compétences que l'on peut et que l'on doit mettre en œuvre nous-mêmes à s'assurant de respecter tout ce qui nous distingue. Dans un autre domaine de compétences, le rehaussement de nos services policiers s'inscrit lui aussi dans l'atteinte de notre pleine autonomie. Cette entente vise à établir un régime particulier de protection de la jeunesse est la preuve que nous progressons dans notre prise en charge. Et nous continuerons de faire entendre nos voix parce que d'autres ententes sont attendues au fil des prochains mois, des prochaines années, de la part du gouvernement du Québec, malgré l'absence de députés provinciaux issus des Premières Nations à l'Assemblée nationale. En tant que chef Atikamekw, je suis très fier d'apposer ma signature au bas de cette entente au nom de la population Atikamekw de Manouane que je représente. Je crois que les améliorations apportées à travers cette entente vont vraiment aider les jeunes touchés par des situations familiales difficiles au départ. On veut le meilleur pour eux et elles, dans un mode de vie communautaire qui bâtit un présent solidaire les uns des autres. Chacun des jeunes touchés par les retombées de cette entente doit pouvoir bénéficier d'un meilleur avenir. Et surtout, chacune de ces jeunes doit bénéficier des meilleures conditions de vie pour grandir en santé et en sécurité à Manouane et vivre une longue et heureuse dans cette communauté Atikamekw saine, dynamique, vivante, épanouie et déterminée, et extrêmement fière de ses origines néo-réseaux. Je vous remercie tous et toutes de participer à cette cérémonie de signature. Miigwetchkina. On attend cette entente, donc on peut prendre encore quelques minutes pour cette cérémonie. Alors j'inviterai maintenant au lutrin le chef de Wimontashi, M. François Néachit. Do you school in the new Amago Shig, Omdashik?
J'aimerais saluer M. Dumont. Je vais commencer par au bout là, pour ne pas oublier personne. Mme Boulay, Mme Charlebois, Thioïmao Constant, Geoffrey, Ougimao Jean-Roch, Justin Picard, Annie Ganivide au niveau du Québec, la PNQL. Je lisais dernièrement là, des documents là, qui datent là, de plusieurs années. Et, je suis tombé sur un document là, qui donnait beaucoup d'espoir là, aux Autochtones du Québec. En 1983, ça avait été adopté par, je crois que c'était en 1983, ça avait été adopté par le Conseil des ministres, où est-ce qu'on parlait de 15 principes, qui, d'après ce que j'ai compris, qui encourageaient l'autonomie des Autochtones du Québec, vers la voie de l'autonomie, quelque chose comme ça. Puis ça avait été adopté par l'Assemblée nationale en 1985. Sous le règne là, de René Lévesque. C'était son gouvernement à l'époque. Là. À l'époque, c'était encourageant. C'était, on voyait un espoir là, apparaître là, quelque part. Puis, avec le temps, tout à l'heure, j'entendais Constant dire, quelqu'un qui lui demandait, pourquoi ça a pris tant de temps? C'est parti de 1985, d'après moi. Où est-ce que les discussions, pourrait dire, là, unilatérales là, avec le gouvernement du Québec a commencé? Et aujourd'hui, on assiste à un aboutissement
qui va faire le bonheur là, de la nation atikamekw, qui va faire en sorte là, que les enfants là, qui ont des problèmes, qui ont des troubles de comportement, puissent être là, traités, non pas à l'extérieur par des gens extérieurs, mais par nos propres gens, par nos propres moyens. Et ça, on le vivait dans le passé. On le vivait parce que ça a toujours été une des premières choses, une des premières valeurs là, de la famille atikamekw, c'était de veiller au bien-être là, de ses enfants, au bien-être là, des enfants d'une communauté. Et ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est que c'est simplement une reconnaissance là, de nos savoirs, c'est une reconnaissance de nos modes de vie qui va être signée aujourd'hui avec le gouvernement du Québec. On parle beaucoup d'autonomie. C'est l'entente d'aujourd'hui va nous amener à une autonomie qui va sûrement provoquer d'autres discussions qui vont faire en sorte là, que le bien-être là, des atikamekw, de la nation atikamekw, va être au premier plan. Je remercie également aussi les personnes qui ont travaillé à l'aboutissement de ce document. Je vois dans la salle Maxime Kukuchi, qui aussi a travaillé beaucoup ce document alors qu'il était directeur là, des services sociaux au niveau de la nation atikamekw, et d'autres personnes là, qui ont suivi par la suite et qui ont eu l'aide là, aussi de beaucoup d'atikamekw, d'aînés atikamekw, de femmes atikamekw et aussi de jeunes atikamekw qui ont fait en sorte là, qu'aujourd'hui là, on peut être très fier d'une entente là, qui va concrétiser nos savoirs, qui va concrétiser notre façon de vivre, notre manière de vivre. Merci. Miigwech, chef Néachit. Alors, j'invite maintenant au lutrin le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, M. Ghislain Picard. Merci, Éric. J'aimerais d'abord et avant tout reconnaître notre Créateur, reconnaître également notre frère Marcel qui a mis la table pour cette importante cérémonie aujourd'hui. Et j'aimerais aussi remercier le grand chef de la nation atikamekw, Constant Wachish, pour l'invitation. D'être un témoin privilégié de cette importante étape que franchit la nation atikamekw. Reconnaître les chefs de Manawan et de Wemontachi, chef Ottawa, chef Néachit.
Reconnaître également les ministres qui sont avec nous aujourd'hui, Mme Charlebois, Mme Boulay, M. Kelly. J'aimerais également reconnaître M. Dumont, du gouvernement fédéral. M. le maire Tremblay, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Félicitations pour votre élection en même temps. Et écoutez, la beauté de parler en dernier, c'est que normalement, il ne resterait plus grand-chose à dire. Bonne chance, Luc. Écoutez, il n'y a jamais de hasard. On sort d'une rencontre importante convoquée la semaine dernière par le gouvernement fédéral, Madame la ministre Philpott, service aux peuples autochtones, et qui consistait à mettre au grand jour ce que j'appellerais des aberrations en matière de service à l'enfance et à la famille. Et c'est rien de nouveau, ça fait longtemps qu'on en parle. Et il y a aujourd'hui cette importante annonce une annonce qui met en évidence le Conseil de la Nation Atikamekw, la Nation Atikamekw, mais une annonce qui est également extrêmement significative pour les enfants et les familles de la Nation Atikamekw. C'est d'abord et avant tout une annonce qui est faite pour leur inspirer confiance et permettre que la Nation Atikamekw, dans son ensemble, puisse aller au-delà de l'espoir et vraiment envisager un avenir un peu plus positif. Tout le monde l'a dit, ou à peu près, c'est pas d'hier que cette démarche-là a été initiée. Ça fait un peu plus de deux décennies maintenant qu'on parle des préoccupations que nous avons en matière de protection de la jeunesse. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis au gouvernement du Québec, en quelque sorte, de modifier la loi et de l'adapter à la réalité des peuples que nous représentons, avec l'article 37.5. Les gestes, finalement, qui ont été posés à l'époque, notamment et principalement par la Nation Atikamekw, ont permis ces changements-là. Et je voulais ici surtout reconnaître la collaboration et contribution des deux gouvernements. Ce n'est pas toujours facile. Je disais plutôt à la blague que ça va être difficile de trouver les bons mots aujourd'hui parce qu'on est souvent appelé en réaction à des situations et souvent appelé à critiquer aussi certains gestes qui sont posés par le gouvernement. Donc, aujourd'hui, avec trois ministres du gouvernement du Québec, ça va être difficile de trouver les bons mots pour rester positif. Mais en même temps, c'est facile de le faire parce que ça vient mettre finalement en évidence que lorsqu'il y a une ouverture, lorsqu'il y a une collaboration et lorsqu'il y a un dialogue, on peut arriver à nos fins. Écoutez, dans ce contexte-ci, je vais terminer là-dessus, il y a au moins deux choses qui me viennent à l'esprit avec ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est que les chefs de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador ont adopté en juin 2015 une déclaration sur les droits des Premières Nations, des enfants des Premières Nations. Et pour moi, le geste posé par la Nation Atikamekw aujourd'hui ajoute un poids supplémentaire à cette déclaration-là et à sa portée. L'autre déclaration qui est également importante, c'est que pendant que ces travaux-là et ces dialogues-là se tenaient au cours des 20 dernières années, il y a un document qui était pratiquement dont on tournait, dont tout le monde a tourné le dos un peu, c'est la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones et des articles extrêmement importants de 1 à 46, mais pour moi, ce qui est significatif aujourd'hui, c'est que non seulement il y a l'article 3 sur le droit à l'autodétermination, mais il y a l'article 20 qui permet à tous les peuples autochtones à travers le monde de pouvoir créer et maintenir des institutions qui leur sont propres.
Et pour moi, le geste posé par la Nation Atikamekw aujourd'hui renforce cette volonté-là et cette possibilité-là. Donc, mes félicitations encore une fois au Conseil de la Nation Atikamekw, à ses chefs, mais surtout à la population et les familles Atikamekw. C'est le cas maintenant. Merci. Tinishkumitun, chef Picard. Alors maintenant, pour relever le défi du chef Justin Picard, j'inviterai M. Luc Dumont à prononcer quelques mots comme dernier intervenant. Toujours un plaisir d'avoir le mot de la fin en soi, parce que ça nous donne l'occasion de réfléchir un peu sur ce qui a été dit. Puis je pense qu'on est tous d'accord avec les propos de tous ceux ici présents. Maintenant, je crois que la chose qu'il faut souligner maintenant, c'est qu'il faut passer à l'action. Et je voudrais, en mon nom personnel, féliciter le Conseil de la Nation Atikamekw de passer à l'action, de prendre les devants, parce que c'est un élément historique. Mais cela étant dit, ce n'est pas moi qui va parler aujourd'hui, c'est j'aimerais vous prononcer un message de Mme Jane Philbott, qui est la ministre des Services aux Autochtones du Canada, qui ne pouvait être ici aujourd'hui, qui m'a demandé de vous le lire. À l'occasion de cette célébration, je tiens à saluer le travail exceptionnel du Conseil de la Nation Atikamekw, qui a mené à la signature d'une entente historique avec le gouvernement du Québec. En effet, le Conseil de la Nation Atikamekw devient le premier organisme des Premières Nations du Québec à créer et administrer un système d'intervention culturellement adapté en matière de protection de la jeunesse pour les communautés de Manawan et de Wemontéchi. Comme vous le savez, l'entente permet maintenant aux communautés atikamekw d'adapter à leur réalité propre les interventions sociales relatives à l'application de la loi sur la protection de la jeunesse et de la loi sur le système de la justice pénale pour les adolescents. Le gouvernement du Canada sait que la seule voie possible pour l'avenir est celle de l'autodétermination des peuples autochtones. C'est pourquoi je me réjouis de constater que des initiatives en ce sens aboutissent à des résultats concrets comme ceux que vous soulignez aujourd'hui. La signature de cette entente entre le Conseil de la Nation Atikamekw et le gouvernement du Québec s'inscrit totalement dans le respect du droit des communautés autochtones à l'autonomie et de décider ce qui est bon pour eux et leurs enfants. C'est dans cette voie que s'est engagé le gouvernement du Canada, favoriser la mise en place de systèmes respectueux des cultures et des langues autochtones, développés et administrés par les Autochtones pour les Autochtones. Je salue une fois de plus les efforts et la persévérance du Conseil de la Nation Atikamekw, grand chef Awashif, chef Néachit, chef Ottawa, et je désire vous saluer et vos efforts, votre persévérance qui a œuvré à la réalisation de cette entente. Bonne célébration à tous. C'est signé Mme Jane Philpott, ministre des Services aux Autochtones. Merci. Merci, M. Dumont. Merci, Mme Philpott. Alors, nous allons maintenant procéder à la période de questions des médias. Alors, simplement, vous identifiez, vous, votre média et à qui s'adresse la question, et les intervenants pourront répondre directement à leur place. Là, il y a des micros qui sont disponibles sur les tables. Oui. Merci. Allô? Okay. Merci pour la question. Qu'est-ce qu'il y en a pour la communauté d'Ouedjouan? La porte est toujours ouverte. C'est sûr qu'au point de vue administratif, il y a eu un chemin qui a été différent, mais on espère et on a des bonnes, on entend des bonnes choses. On se joint à la Nation Atikamekw éventuellement. Il y a des choses qui peut-être pas dans... Non, mais c'est la situation géographique et au niveau administratif, c'était plus facile pour eux à l'époque de s'occuper de leur affaire là-bas. Mais avec une ouverture comme ça, avec une possibilité qui s'offre à eux, il y a des choses qui risquent de changer prochainement. Merci. Oui. Autre question. Oui, ça va être une réponse tripartite, comme Mme Charlebois dit. Mais actuellement, il y a un financement qui est déjà octroyé au Conseil de la Nation Atikamekw pour le service
au service de la protection de la jeunesse. C'est sûr que présentement, la situation est en quelque sorte, je ne veux pas dire comblée, mais le financement est là. Il y aura des pourparlers. Dans les 6 prochains mois, il y a un comité de transition qui va être mis en place. Ce comité de transition-là va se pencher sur plusieurs questions, également sur cette question-là de financement. Donc, il va falloir également penser à l'avenir. On connaît la situation qui est peut-être envieux chez certains. Les Atikamekw, mais on est champions. On fait beaucoup d'enfants, donc la population augmente rapidement. C'est sûr qu'il y aurait des financements qui pourront être ajustés en temps et lieu. On est porteurs d'espoir. C'est ça, c'est porteurs d'espoir, c'est ça. C'est si vous voulez rajouter quelque chose. En fait, il y a déjà une partie du financement qui est assumée par le gouvernement fédéral pour votre CAN. Et le gouvernement du Québec assume les services de proximité, mais il y a une transition à faire. Et on est là avec eux pour faire cette transition. Mais c'est certain que tout ce qu'on veut ici, nous, c'est le bien-être des enfants, les laisser dans leur milieu, grandir avec leur culture, respecter leur culture, leurs valeurs et leur façon de faire. Les déraciner, on a eu des témoignages la semaine dernière. M. Picard, il les a entendus, lui. Moi, je ne pouvais pas être là au moment où les témoignages ont été faits. Mais ça m'a été rapporté qu'il y a des enfants qui sont devenus des adultes qui n'ont plus d'identité. Ils ne se trouvent plus nulle part. Alors, ce n'est pas ça qu'on veut pour le peuple du Québec, ce n'est pas ça qu'on veut pour les nations autochtones du Québec. Alors, c'est une entente positive aujourd'hui. Moi, je salue tous ceux qui ont travaillé à cette entente-là. Bien sûr que ça a commencé bien avant l'arrivée de la ministre déléguée que je suis, mais je me sens très privilégiée de pouvoir signer cette entente-là aujourd'hui et d'être là pour le fruit du travail et surtout la ténacité de la nation. Bien, en fait, il avait déjà commencé à assumer une part des responsabilités qui sont déjà validées au préalable. C'est en quelque sorte qu'il avait dit une reconnaissance d'un système qui est déjà en place Il y a eu plusieurs négociations. Ils ont déjà mis leur modèle à l'épreuve. Ils ont déjà commencé à travailler là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est un pas de franchi. Il n'y a plus de recul. Ça va vraiment être la nation qui va prendre soin de ses enfants. Bien, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça à travers le temps, là. Il y a toute la question du financement qu'on vient de parler. Il y a toute la question, puis il fallait s'assurer d'une certaine viabilité. Il y a toute la question des négos entre gouvernements. Il y a des individus qui changent. Il y a des chefs qui ont changé. Il y a plein de choses qui se sont passées. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on arrive au bout. Puis il y a la loi qui a été changée, mais aussi la dernière loi qu'on a revue, ça fait un an, si je ne me trompe pas, Mme Lemay? Même pas? Mois d'octobre. Ma vie va vite, moi. Alors, c'est ça. Fait que tout ça fait... Moi, je me souviens de mes premières rencontres avec un groupe de femmes autochtones. Le premier sujet dont ils m'ont parlé quand je me suis assise à la table, on n'a pas eu tant de souper, on n'a parlé que de la protection de la jeunesse toute la soirée. Fait que quand je suis revenue de là, je me suis en allée directement au bureau de Jeff Kelly. J'ai dit là, faut qu'on parle, faut qu'on ait, tu m'expliques, faut qu'on règle ça. Ça n'a pas de bon sens. Alors, moi, je peux vous dire que ça va être des gens qui sont déjà, tu sais, ils étaient déjà en mode solution, ils étaient déjà, mais là, il restait quelques étapes à franchir. On signe cette entente. Ils sont des précurseurs, pas juste au Québec, au Canada. Et je peux vous dire qu'il y a déjà 2 autres nations qui commencent à travailler. Il y en a une qui va sûrement s'annoncer plus vite que l'autre, là, Kanawagé. Et les Inuits, comme disait mon collègue, veulent travailler, les Inuits veulent travailler aussi à profiter de l'article 37.5. Mais ces gens-là vont pouvoir fournir une expertise pour éviter la longueur de temps, pour éviter les embûches qu'on a déjà rencontrées, pour faire en sorte qu'on puisse améliorer nos échanges et faire en sorte que ces communautés-là, mais c'est surtout les enfants. Moi. Si vous devez faire le tour, vous devez y aller dans les communautés. Moi, c'est les enfants qui me touchent et je veux que ces enfants-là puissent avoir les mêmes services, mais dans leur culture à eux. Autre média? Oui. Merci. Sans connaître les chiffres exacts, c'est au moins une centaine d'enfants à différentes catégories d'âge par année.
Oui, environ, oui. Pour les deux communautés. Mais ce qu'il faut savoir, là, c'est qu'un enfant, qui est signalé, pour eux autres, là, c'est aussi important de s'en occuper, même s'il n'est pas placé en protection de la jeunesse chez eux. Si, même s'il ne met pas dans une autre famille, il faut qu'il s'en occupe, il faut qu'il fasse la prévention, il faut qu'il s'occupe de la famille. Parce que ce n'est pas juste l'enfant qu'il faut aider, c'est la famille au complet. C'est ça qu'ils font dans leur culture à eux, de la prévention. Parce que si on attend d'arriver au signalement retenu, on a manqué quelque chose. Puis manifestement, ils sont les mieux placés pour bien comprendre ce qu'ils ont besoin et ce que ces enfants-là ont besoin, mais ce que les parents ont besoin. N'est-ce pas? Dernière question. OK, sous-question, puis ensuite, dernière question aussi. Tout à fait. Bien, autrefois, quand il y avait un signalement, mais le DPJ avait le droit de regard en premier dessus. Il étudiait le dossier. Quand le dossier ouvrait, mais le DPJ regardait le dossier, puis s'il sentait le désir, mais il pouvait confier le cheminement du dossier au système d'intervention du Québec. Donc, c'était un peu à la merci de la DPJ, mais aujourd'hui, c'est totalement nous, ça va être nous qui va être autonome dans nos dans notre démarche. Là. Oui, ici. Bien, dans la mesure du possible, ils vont faire notre possible qu'ils puissent revenir dans nos communautés. C'est ça l'important, puis c'est ça l'objectif de cette entente-là, c'est de pouvoir protéger notre culture, notre langue, et de pouvoir offrir les services dans, à l'image de notre culture. Bien, il y a un comité de transition qui va être mis en place, et toutes ces questions-là vont être, vont être discutées à cette table-là. Ah, c'est sûr qu'il y a, il y a peut-être des cas qui risquent de ressortir de ces histoires-là. On connaît la commission Vient, on connaît, nous aussi on entend parler de cette enquête-là. C'est sûr que s'il y a des cas, moi personnellement je ne suis pas au courant, c'est des dossiers qui restent confidentiels, c'est les intervenants qui vont être au courant de ça, donc je ne peux pas vous répondre exactement là-dessus. Merci beaucoup. Alors, ceci clôt la période de questions. Je sais qu'il y a des intervenants qui seront disponibles pour des entrevues individuelles plus tard. Nous allons maintenant procéder à la photo de la signature officielle. Alors, je vais apporter l'entente et je vais demander donc aux intervenants de se lever, puis on va regrouper les gens pour la photo. Merci.
Alors, merci beaucoup. Nous allons maintenant entendre le tambour de Norton Voice et chant et danse avec notamment Davin Moore de Manawan. Il y aura cocktail pour tout le monde. Alors, merci à toutes et tous d'avoir participé à cette importante annonce. Merci beaucoup.